Bonjour et ravi de vous retrouver pour Débat de presse, l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Ce dimanche, trois sujets convoqués à la discussion. D'abord, l'affaire Thomas Sankara avec le délibéré de la justice burkinabé qui met en accusation 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré et le général Diendéré. Hier, la France vient de transmettre les restes des archives dans cette affaire au Burkina Faso. Avec ces derniers développements, peut-on espérer enfin à un procès sur l'assassinat du père de la révolution burkinabé et de ses compagnons le 15 octobre 1987. Réponse dans le débat de presse ce matin. Et ce matin également, la colère du ministre des Infrastructures face à la lenteur constatée dans le démarrage des travaux de bitumage de la route Gounguin-Fada, frontière du Niger. Des travaux lancés depuis le 19 septembre 2020 par le Premier ministre Christophe Dabiré. Et pendant ce temps, la société civile de l'Est maintient sa marche de protestation pour le 24 avril prochain. Et protestation pour dénoncer l'état routier dans l'Est du Burkina et bien d'autres sujets. Ce matin également, dans le débat des presse, le Mali, avec une nouvelle date pour la tenue des élections et après l'ère Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est finalement en février et en mars 2022, les militaires à la tête du Mali ont finalement publié un nouveau calendrier pour les élections et réitéré leur volonté à rendre le pouvoir aux civils. Mais ce calendrier fait débat au regard du contexte malien. L'organe de direction de la transition est dominé par des militaires et beaucoup doutent de leur volonté à organiser des élections transparentes. Est-ce des doutes fondés? On en parle ce matin avec nos invités. Et nos invités, c'est Boukari Woba, secrétaire de rédaction de Mutation. Bonjour. Bonjour, M. Kindo. Merci d'être là pour le débat. Merci. Paul Miki Rwamba est directeur général de LCA, la télévision privée LCA. Donc, bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo et bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Merci. Dabadi Zumbara est rédacteur en chef des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour M. Kindo. Et merci d'être là pour le débat. Il y a Yacinthe Bourouseke Sanou de Faso Tchèque qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Premier sujet de débat, donc, c'est l'affaire Thomas Sankara, Boukari Woba, où on l'a vu hier, rien que hier, la France qui transmet le reste des archives au Burkina Faso, mais bien avant, le tribunal avait déjà mis en accusation près d'une quinzaine de personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, pour l'assassinat de son compagnon de lutte, Thomas Sankara. Est-ce que, on va poser directement la question, on peut espérer enfin à la lumière sur la mort du père de la révolution burkinabé? Merci. Je crois que l'espoir est permis et l'espoir n'avait jamais quitté l'esprit des Burkinabés et de tous ceux qui se sont battus et qui se battent encore pour qu'ils puissent avoir enfin justice ou en tout cas un procès dans le cadre de cette affaire-là qui date de plus de 30 ans maintenant. Et donc, ce qui s'est passé le 13 avril, à savoir donc la décision donc de la chambre de contrôle, donc du tribunal militaire, donc qui met en accusation le président Blaise Compaoré et 13 autres co-accusés. C'est un grand pas. C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans ce dossier-là. Parce que vous savez, le dossier a connu plusieurs péripéties. Assassiné en 1987, il a fallu attendre même jusqu'en 1997, lorsqu'on était pratiquement à l'orée de la prescription de ce dossier-là, parce qu'on disait que 10 ans après, si aucun acte judiciaire n'avait été posé, le dossier allait être prescrit. Il a fallu attendre 87 pour qu'une plainte soit déposée, et puis cette plainte aussi, on sait la suite qui a été donnée. On était pratiquement dans une sorte d'impasse pour les familles des victimes. Et puis finalement, c'est l'insurrection populaire qui est venue, qui a relancé les dossiers. Et là, véritablement, on est tenté de dire que les choses sont allées très vite. Parce que de 2014 à aujourd'hui, si déjà on est à des mises en accusation et que probablement tout semble être prêt pour juger sous réserve que la justice ait les moyens, je crois que véritablement, c'est quelque chose qui peut être salué. Oui. Et Paul Miki Rwamba, oui, pendant que nous accueillons Yacinthe Sanou, bonjour Yacinthe et merci de nous rejoindre. Bonjour. Voilà, donc oui. Paul, pour vous, il y a comme l'espoir
en voyant ces mises en accusation, mais aussi en voyant ces derniers développements? Oui, je pense qu'il y a de l'espoir qu'il y ait un jugement, enfin. C'est la seule chose qui manque, c'est la date du procès, parce qu'avec cette mise en accusation, nous nous acheminons évidemment vers un jugement du dossier et Thomas Sankara. Et ce sera une première, ce sera effectivement historique, puisque comme Oba l'a dit, et ça fait 34 ans bientôt que le père de la révolution burkinabé a été assassiné, et ça fait plusieurs années que l'on parle justement de ce dossier judiciaire depuis 1997. On sait effectivement que sous le régime de Blaise Compaoré, il était quasiment difficile et même impossible justement de faire avancer le dossier. On a vu quelques avancées sous la transition, notamment en 2015 avec l'exhumation des restes de Thomas Sankara et des 12 autres compagnons. Et de ces 12 compagnons, on sait quand même que ça, c'était effectivement le début d'une procédure judiciaire. Les uns et les autres ont applaudi. On avait pensé que dès le lendemain, on allait donc aller très vite. Après, on est retombé effectivement dans une forme donc d'oubli, de léthargie dans le dossier. Fort heureusement que cette décision de la justice militaire a été donc rendue mardi dernier. Donc aujourd'hui, nous sommes en position justement de s'attendre à un procès dans le cadre donc de l'affaire Thomas Sankara. Maintenant, malgré tout cela, il faut peut-être émettre des réserves, hein, parce que une chose est d'avoir un procès, l'autre chose est d'avoir la vérité. C'est le procès qui est vu justement en ligne de mur, mais on attend de voir effectivement si ce procès aura lieu comme tel que souhaité justement par le justiciable burkinabé. Parce qu'on sait que certaines personnes citées justement dans la mise en accusation ne sont pas au Burkina. Et dans tous les cas, il faut s'attendre justement à ce qu'il y ait effectivement un procès par contumace pour certains d'entre eux. Donc moi, je suis un peu inquiet sur la manifestation réelle de la vérité, parce qu'on est en train d'aller justement vers un type de procès où on va condamner des gens à leur absence. Peut-être qu'ils ne seront pas là pour dire exactement quel aurait été leur rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. On va donc un peu surfer et puis aboutir à une forme de condamnation par contumace. C'est ça qui me désole un tout petit peu. Sinon, je crois effectivement, comme Oba, qu'on est en train d'aller justement vers une manifestation de la vérité. Et c'est tant mieux justement pour le dossier Thomas Sankara, c'est tant mieux pour la famille Sankara, et tant mieux pour le Burkina et l'Afrique tout entière. Oui, Davadi, on l'a vu pendant l'insurrection et même la période qui a suivi la transition, il y avait l'occasion, pour ne pas dire l'opportunité, de pouvoir effectivement embastiller certaines personnes impliquées dans le dossier, mais on a eu comme l'impression qu'il y a eu un arrangement pour permettre à certains de s'échapper. Et aujourd'hui, la justice militaire revient encore pour dire que ces mêmes personnes sont impliquées dans le dossier et sont fortement soupçonnées pour avoir assassiné le père de la révolution burkinabé. Est-ce que pour vous, on peut véritablement croire à la justice et à une justice pour Thomas Sankara? Bon, effectivement, je n'ai aucun élément qui me dit que justice ne sera pas faite ou que la vérité ne sera pas dite, même si nous savons effectivement que le dossier est assez complexe. Mais je dis d'abord que il est temps pour moi de vider ce dossier qui a longtemps empoisonné le climat social et passer à autre chose. Avec les archives dont dispose désormais le juge en charge de l'instruction du dossier Thomas Sankara, je pense qu'on peut ouvrir effectivement le procès. Alors, vous avez effectivement posé le problème de certains qui ont effectivement quitté le pays. C'est la véritable question effectivement que beaucoup se posent aujourd'hui. Est-ce que certains accusés clés, comme l'ancien président, est-ce que ces derniers seront effectivement présents pour témoigner? Ce n'est pas évident. Or, nous savons très bien que le témoignage de ces personnages clés est extrêmement important, parce que ces témoignages-là peuvent contribuer à faire jaillir la vérité. Alors, mais je pense que certains ont réussi certainement à prendre le là, tout simplement, parce que la justice n'avait pas mis en branle le système. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une décision judiciaire, on ne peut pas empêcher quelqu'un, par exemple, de quitter le territoire. C'est ça aussi le problème. Si le dossier avait été ouvert et que, bon, des mandats avaient déjà été lancés, ne serait-ce que des mandats de dépôt, rapidement, on procédait effectivement à l'arrestation des gens. Mais dans la mesure où c'est peut-être des auditions où le juge veut vous entendre, on ne peut pas, sur cette base, par exemple, empêcher quelqu'un de quitter le territoire. C'est là aussi la faiblesse du côté de la justice. Mais je pense que ce dossier
sigle est emblématique parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà des complicités internes, il y a effectivement des forts soupçons hein, qui pèsent sur certains pays voisins ou même peut-être lointains. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a l'espoir effectivement que ce dossier, que ce procès ait lieu. Il y a l'espoir que les gens puissent savoir, peut-être pas tout, mais une bonne partie de ce qui s'est passé le 15 octobre 1987, parce qu'il y a quand même des gens que le juge en charge du dossier a pu auditionner. Et je pense quand même que tout ce qui a été dit, bon, il y a en tout cas, à mon avis, d'éléments aujourd'hui suffisants pour qu'on puisse vraiment aller dans ce dossier. D'autant plus qu'on a parlé tout à l'heure des archives, ça fait le troisième lot des articles qui a été remis. Et donc je pense que tous ces éléments peuvent quand même contribuer hein, à élucider le dossier. Bon, naturellement, vous savez, dans cette affaire, en matière de justice, ce n'est pas toujours évident. On peut effectivement se dire que tout va être dit, mais tout dépend de ceux qui seront à la barre. Si les accusés n'ont pas la volonté de dire la vérité, ben, on ne saura pas la vérité. Certainement que d'autres seront condamnés par contumace, comme Mickey le disait. Mais si les gens ont cette volonté-là de dire la vérité et surtout d'aller dans le sens de la réconciliation, je pense qu'on gagnerait. Aujourd'hui, il est question effectivement que les Burkinabés se réconcilient. Et je pense que la tenue de ce procès s'inscrit aussi dans cette logique. Plus on va vider les différents dossiers, plus on va aller vite hein, sur le terrain de la réconciliation. Justement, Dabadi, le président Rochemar Christian Kaboré, quand il était candidat à sa succession, avait dit qu'il allait travailler dans les 6 premiers mois à faire revenir l'ancien président Blaise Compaoré. Mais est-ce que avec ce rebondissement, on pourrait penser que le président Roch a été pris de court, puisque avec ce rebondissement, on peut entrevoir une case prison pour l'ancien président quand il va revenir? Pas forcément. Je pense que lorsque le président Kaboré avait effectivement fait la promesse d'œuvrer pour que les exilés regagnent le Berkay, je pense qu'il n'avait pas exclu aussi la voie judiciaire. Ceux qui ont des dossiers pendant justice, naturellement, vont devoir affronter la justice. Je pense qu'il avait été clair en la matière. Bon, c'est vrai qu'on peut dire certainement que la justice est peut-être allée plus vite que le politique, qui aujourd'hui est toujours au stade concertation. Et aujourd'hui, on ne peut pas, avec exactitude, dire que c'est tel jour on va, la machine de la réconciliation va démarrer. Voilà ce qu'il en est. Mais je pense que là-dessus, je pense que la chose, à mon avis, se déroule de façon assez correcte. La justice fait son travail et maintenant le côté politique aussi fait son travail. Tout ce qu'il faut souhaiter ici est que le tribunal militaire, qui à mon avis semble avoir pris des galons à travers le procès du pouce manqué, puisse travailler sereinement, puisse conduire ses dossiers de manière à ce que les accusés hein, puissent avoir droit aux différents avocats qu'ils souhaitent et le temps nécessaire pour organiser leur défense. En un mot, je dirais que la justice doit faire en sorte que les droits hein, de ces accusés soient garantis. Si tel est le cas, ben, je ne vois pas pourquoi les gens trouveraient par exemple à redire. Il faut souhaiter surtout que le procès se déroule dans un climat serein et que ce soit un procès vraiment équitable. Parce qu'on le sait, hein, au Burkina, le plus souvent, c'est quoi? On condamne les gens à l'avance. On dit, bon, un tel, au vu de ce qui a été dit, il est vraiment coupable. Et si la justice vient à le déclarer non coupable, ça pose problème. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, par rapport effectivement aux accusés qui sont hors du pays, j'ai dit qu'ils ont tout intérêt à revenir, à se présenter au juge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés coupables. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Et donc, ne pas venir effectivement témoigner à la barre, ça parenterait, à mon avis, à un aveu de culpabilité. Donc, je pense qu'ils ont plus intérêt à se présenter que de rester à l'étranger. Yacinthe Sanou, je rappelle que vous êtes à Fassotiek.
Faso-Tchèque, c'est quoi, très rapidement, avant que je ne vous pose la question? Très rapidement, Faso-Tchèque, c'est une plateforme burkinabé de fact-checking et la vérification des faits dans l'anglicisme, qui donc a ce volet-là en ligne, de médias en ligne, qui est faso-tchèque.org, qui fait de la production d'articles de fact-checking, de vérification des faits, et qui a également un volet expertise et formation, donc pour tout ce qui a comme activité de fact-checking, mais également sensibilisation et promotion de la vérification des faits auprès des citoyens, mais auprès des particuliers également. Oui, donc certainement que cette affaire Thomas Sankara va être checkée par Faso-Tchèque, certainement pour nous dire le vrai et l'ivraie. Peut-être les informations autour, vous savez qu'il y a un flot d'activités qui sont, de déclarations qui sont faites autour de cette affaire, on peut effectivement vérifier certains faits sur la base de certaines affirmations, bien sûr, on verra avec l'évolution de l'actualité liée à cette affaire Thomas Sankara. Oui, justement, et maintenant votre avis sur cette affaire. Le 13 avril dernier, le tribunal militaire a mis en accusation près d'une quinzaine de personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré et le général Diendéré, mais aussi un certain Hyacinthe Kafando. Et on l'a vu également le samedi hier, rien que hier, 17, la France qui vient de transmettre le dernier lot des archives au Burkina. Les deux autres premiers avaient été transmis en octobre et en décembre 2018, si je ne m'abuse. Et donc, est-ce qu'on peut espérer, comme je l'ai posé aux autres, un procès, enfin, sur l'affaire Thomas Sankara? Je pense que tout concourt, en tout cas, ce qu'on puisse avoir dans les prochains jours, prochains mois, un procès de l'affaire Thomas Sankara, déjà avec cette mise en accusation claire de 14 personnes sur des chefs d'accusation. Et il faut espérer qu'on puisse pouvoir tenir ce procès-là pour que, pour une fois, 34 ans après, on puisse savoir qui a fait quoi le 15 octobre 1987. Je pense que les Burkinabés en ont besoin. Le Burkina en a besoin pour sortir un peu de cette prison du passé qu'il vit et se projeter lui-même dans l'histoire et pouvoir savoir ce qui s'est passé ce fameux 15 octobre. Et pouvoir aussi, parce qu'il y a un ensemble, vous avez parlé tout à l'heure des éléments de fake news et autres, il y a un ensemble d'éléments qui ont concouru à faire croire depuis longtemps à un complot international impliquant que ce soit le Togo, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, la Libye. Aujourd'hui, sur les 14 personnes mises en accusation, ce sont les 14 Burkinabés. Donc, il y a d'abord une piste Burkinabé à explorer, à savoir, en tout cas pour ce qui est de la justice. Et je pense que le procès permettra, je pense que la présence ou non de l'un ou l'autre accusé n'est pas pour moi vraiment très important. C'est vrai que ça aurait peut-être aidé si la personne est enclée à parler, parce que la personne peut être physiquement là et se refuser à se défendre ou à parler. Donc ça ne sert pas outre mesure. Mais je pense que, en tout cas, le fait que le procès puisse se tenir va beaucoup déjà aider les familles des victimes à faire le deuil de leurs personnes disparues, mais également aider les Burkinabés à comprendre. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de réconciliation, vous l'avez dit, le triptyque prôné par le président Kabore, vérité, justice, réconciliation. Au moins, le cap de la justice sera passé. Bien sûr, les uns et les autres se regarderont en face pour ce qui est de la réconciliation. Oui, Boukari Ouba, je l'évoquais également, cette affaire des archives, les deux premiers lots d'archives remis au Burkina Faso étant en octobre et en décembre 2018, on vient de boucler la boucle avec un troisième lot, rien qu'hier, où la France remet officiellement au ministre Maxime Koné, le ministre délégué chargé de l'intégration des Burkinabés de l'extérieur, ce lot. Est-ce que tout cela concourt à apporter davantage d'éléments tangibles pour la manifestation de la vérité? Certainement, certainement. Mais déjà, sur la forme, moi, je m'interroge depuis hier, ou du moins depuis que l'annonce a été faite, sur l'intérêt d'avoir organisé une cérémonie publique pour remettre de telles archives. C'est dans le cadre d'une procédure judiciaire, même si ça implique effectivement une question de relations entre deux pays, c'est une question d'affaires étrangères. Donc, mais pour vous, le calendrier pose problème. À mon avis... La demande a été publique, hein.
Oui, la, la demande a été publique, mais la remise n'a pas besoin d'être publique comme tel que ça a été fait. Ça peut être annoncé. La demande a été faite sans date, pas d'aujourd'hui. Non. Le problème vraiment avec cette Il y a eu deux premiers lots déjà qui ont été remis. Parce que justement, c'est tout ça qui amène les gens à parler de politisation d'une affaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une affaire judiciaire qu'on remette. Que ça soit ici par la voie diplomatique, mais une voie discrète, et que ça va parvenir au juge. Moi, en tout cas, c'est mon avis, je pense que ça aurait été la meilleure attitude, plutôt que d'organiser une cérémonie où un ambassadeur vient et transmet des dossiers donc à un ministre de la République, comme si c'est lui, effectivement, qui allait se charger et puis en faire ce qu'il en veut. Non, je pense que tel qu'on a procédé pour les premiers lots, pour moi, il aurait fallu continuer sur ce chemin-là et qu'on en finisse avec cette affaire d'archives. Maintenant, dans le fond, je crois que l'ambassadeur même l'a dit hier. Il aurait souhaité que ce dernier lot-là arrive bien avant que le juge d'instruction ne boucle son travail. Ce lot étant arrivé un peu en retard, on va dire, on espère que quand même ça va servir à quelque chose. Parce qu'il y a l'instruction avant le jour J du procès, mais ce qui se passe à l'occasion du procès aussi, c'est une instruction à la barre. Et que donc si ce dernier lot des archives qui est arrivé peut être exploité, ça va être une bonne chose. Mais pour le moment, on ne sait rien de ce qui est du contenu de ces dossiers-là. Vous savez, la montagne peut accoucher d'une souris. Hein. On a tous pensé qu'effectivement, il y a une forte implication de la France, ce qui n'est probablement pas faux. Mais là encore, il faut aller voir quelle est la nature, la qualité des documents que la France a bien voulu déclassifier et nous transmettre. Parce que ce n'est pas nous qui sommes là-bas qui disons « Ah, on a besoin de telle pièce, on a besoin de tel autre document. » Non, c'est eux qui s'assoient là-bas, qui examinent, qui disent « Bon, ça, on va leur donner ça et puis peut-être que ça, nous allons conserver encore pour quelques années. » Donc, en attendant véritablement que ces archives-là nous parlent à l'occasion du procès, c'est difficile de pouvoir leur donner une valeur en tant que telle dans le cadre donc, de la manifestation de la vérité. Mais si les intéressés ont estimé que ça peut servir pour le procès, c'est que certainement il y a quelque chose à voir dedans. Oui, Paul Mikiruamba. Oui, je suis parfaitement d'avis avec Woba. Moi, j'ai également les mêmes inquiétudes en ce qui concerne justement cette histoire d'archives déclassifiées et transmises au Burkina. D'ailleurs, je pense qu'il faut, ce sera donc un piège que de faire de la fixation sur ce document qui a été donc remis récemment. D'abord, je me pose la question de savoir pourquoi les archives sortent au compte-gouttes. On a eu deux premiers lots, ensuite un troisième lot qui vient et presque deux années après. Moi, je me pose en tout cas la question, et qu'est-ce qu'on a fait justement pour prendre autant de temps avant de déclassifier et transmettre le lot d'archives du ministère français de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on parle du dossier Thomas Sankara, avec certes l'implication de personnes physiques au Burkina, avec éventuellement l'implication également de pays étrangers comme Yassine Sanou l'a rappelé, il a même cité nommément certains pays. Donc aujourd'hui, je me pose la question de savoir si la France n'a pas pris soin justement de retirer du lot les dossiers, les pièces qui peuvent compromettre elle-même la France en ce qui concerne son implication dans la gestion de la révolution d'août 83 au Burkina et dans l'assassinat du père de cette révolution. Autant de questions que l'on se pose. Maintenant, l'autre aspect également qui est extrêmement important, c'est que ce dossier arrive au moment où le juge d'instruction effectivement a bouclé son dossier, alors qu'on aurait pu imaginer déjà que ces documents auraient pu éclairer la religion du juge en charge du dossier pour pouvoir justement préparer un procès digne de ce nom. Mais comme Oba l'a effectivement dit, ça peut effectivement servir, mais j'ai bien peur que ce soit des archives biaisées aujourd'hui, parce que ni nous, citoyens lambda, ni la justice burkinabè, même pas le chef de l'État du Burkina, n'a la possibilité de vérifier. Oui, non puisque ces documents sont arrivés sous prix scellé, justement. Oui, et les deux hommes, notamment le ministre Maxime Koné et l'ambassadeur Alad, ont déclaré qu'ils n'en ont pas connaissance oui. De son contenu. C'est destiné certainement à la justice qui est en charge du dossier, qui a d'ailleurs fait la demande d'avoir justement ces archives, cette déclassification de ces archives. Je ne sais pas quelle est la procédure là-bas en France pour que la déclassification soit effective, ensuite transmise au Burkina, mais je pense que ça a pris beaucoup de temps. Et ce temps-là, je soupçonne justement que c'est un temps qui a été mis à profit pour faire un tri et puis nous envoyer les dossiers qui ne vont pas compromettre certainement la France. Donc pour moi, c'est mon avis personnel, il faut donc peut-être éviter de faire de la fixation, sinon ça, la montagne risque d'accoucher une souris. Yacine, c'est votre avis, comme Paul et Boukari, qu'il faut avoir de la prudence par rapport à cette suite à donner? Pas totalement.
Déjà sur les soupçons que les uns et les autres formulent, je pense que c'est le danger de faire le débat d'une affaire en justice. On fait le procès avant le procès. Je pense que les juges sont mieux habilités pour nous dire qui est impliqué, qui a fait rétention d'informations dans le cadre de l'instruction, et ça c'est pénalement punissable. Je pense que les juges, en tout cas, peuvent formellement identifier si jamais c'est le cas. Sinon, pourquoi avoir demandé à la France de déclassifier ses mémoires et ses archives pour nous les rendre, si c'est pour en douter? Ça, c'est la première question. Ensuite, pour le, c'est sur ce plan que je n'étais pas d'accord avec Ouba, c'est une demande publique appuyée par des marches, notamment sur l'ambassade. Ici, on a vu des mouvements de la société civile aller parler à l'ambassadeur pour lui demander, demander à la France de déclassifier ce dossier-là. Aujourd'hui, la remise se fait publiquement, on se plaint. Alors, et je pense qu'il y a un poids, deux mesures dans cette affaire. Pour moi, aujourd'hui, on est proche du procès. Laissons le procès se faire. Bien sûr, chacun a ses supputations. Je l'ai dit, sur les accusations, on a longtemps parlé de ce complot international. Jusqu'à présent, les mises en accusation sont sur des Burkinabés. Pour moi, il faut véritablement arrêter de faire ce débat-là, en tout cas, sur les supputations, et attendre le fond de ce... Espérer que la justice, bien sûr, se mette en branle pour que le procès puisse avoir lieu. C'est tout ça, toutes ces attentes-là qui se cristallisent au sein de la population burkinabé. On se pose des questions sur les implications des uns et des autres, sur les intentions des uns et des autres. Aujourd'hui, si la justice peut véritablement aider à comprendre. Oui, Dabadi. Oui, je pense qu'en la matière, comme on le dit, beaucoup de gens n'écartent pas la source. Il y a effectivement des témoignages, il y a des gens qui ont témoigné, qui ont été auditionnés, comme je le disais. Mais au-delà de ces témoignages, il y a effectivement des documents écrits. Donc je pense que pour ces archives, elles serviront naturellement comme élément supplémentaire de preuve. Voilà, il y a des gens qui peuvent témoigner à la barre, mais peut-être les témoignages ne seront pas pris en compte. Mais si on a effectivement des archives où effectivement les mêmes témoignages, c'est-à-dire certains faits, sont effectivement corroborés par ces archives, mais ça fait effectivement un élément plus important en justice à prendre en compte. Je pense que c'est la valeur, il ne faut pas voir ça comme si tout le procès devrait se baser sur ces archives. Non, je pense qu'on a déjà effectivement des éléments assez importants au niveau national. Le travail a été fait dans ce sens, dont ces archives viennent renforcer ce qui est déjà fait au niveau national. Donc on peut comprendre ça dans ce sens. Et je suis d'accord avec Yacine par rapport effectivement à la remise publique. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Macron, lors de sa visite après quand il a été élu, il est venu au Burkina et il a promis effectivement de déclassifier ses dossiers. C'était public, les journaux en ont parlé. Et après ça, effectivement, il y a eu des OSC, les hommes se posaient la question, mais pourquoi Emmanuel a fait la promesse et jusqu'à aujourd'hui, on ne voyait pas ses archives, etc. Donc, aujourd'hui, les Burkinabés sont comme Saint Thomas, il faut le dire. Il faut voir pour croire. Donc, les gens ont besoin de voir, et je pense que c'est l'aspect public-là, ça avait quand même son sens. Ce n'est pas rien que les premiers, on n'a pas eu besoin de le faire, mais étant donné que c'est le dernier lot, c'est pourquoi on ne dit plus que la France retient encore des documents concernant le dossier Thomas Sankara. Donc je pense que... Oui, Boukari Ouba, permettez à Dabadi de terminer. On peut comprendre ça. Permettez à votre voisin de terminer. Allez-y, Dabadi. On peut comprendre effectivement ce besoin-là de communiquer sur ce point précis du fait qu'effectivement, il y a eu la médiatisation de l'affaire, de la demande et même des supplications, si vous voulez. Yacine l'a dit, il y a des OSC effectivement qui ont interpellé l'ambassadeur. Donc tout ça, ça a été public. Les journaux en ont parlé. Donc il n'y a pas de raison que la remise se fasse dans un contexte, j'allais dire, secret. Et puis finalement, encore, ça va, d'autres personnes vont dire, mais qu'est-ce qui prouve même qu'on a remis? C'est le juge qui l'a dit. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais là, au moins, tout le monde sait qu'on a remis des documents, des archives concernant l'affaire Thomas Sankara. Maintenant, ça peut servir effectivement à renforcer, comme je l'ai dit, le travail du juge. Sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que peut-être dans ces archives-là, qu'on cite des gens nommément par rapport au rôle peut-être que les uns et les autres auraient joué. Peut-être même que ces archives ne diront que ce que nous savons déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans ce cas de Thomas Sankara, il y a beaucoup de Burkinabés quand même qui ont beaucoup à dire. Déjà, on fait des témoignages à travers certains écrits. On a vu les écrits de Valère Sommet. On a vu effectivement pour certaines personnes. Donc pour moi, je pense qu'on a quand même suffisamment de témoins pour pouvoir faire la lumière sur ce dossier-là. Oui, Boukari, pour terminer sur ce sujet. Non, votre point de vue peut avoir sa pertinence, sauf que je ne le partage pas tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas forcément être sur le même tempo que l'opinion.
par rapport à cette affaire Thomas Sankara. Je le dis bien que la demande a été publique. Ici, ça n'impose aucun parallélisme de forme, que parce qu'on a fait la demande publiquement, il faut remettre les dossiers publiquement. Si c'était le cas, soyons Saint Thomas d'Aquin jusqu'au bout. Il aurait fallu déballer les enveloppes, parce que nous tous, on a vu que des enveloppes kaki, emballées, personne n'a vu le contenu. Qui vous dit que ce n'est pas des mémoires, des thèses qu'on a mis dedans et puis venir remettre. Et personne n'ira voir ça devant le juge d'instruction. Seul le juge va recevoir les dossiers et les éplucher. Donc, on vient remettre des enveloppes sous pli fermé et que vous dites, ah oui, effectivement, on a remis des documents déclassifiés, pour moi, ça ne tient pas. Si vous voulez être aller jusqu'au bout dans votre logique, il aurait fallu déballer ça et que tout le monde s'en rende compte. La preuve est que les deux premiers lots sont arrivés, ont été transmis au juge qui, certainement, a même eu l'occasion de les exploiter dans son instruction. Aujourd'hui, on est au courant de ça, mais on n'en doute pas. Nous ne sommes pas en train de douter du fait qu'il y a eu un premier lot ou bien un deuxième lot. Pourtant, on n'a pas vu de remise publique. Donc, pour moi, un communiqué ou une information disant qu'effectivement la France a déclassifié et remis les dossiers, ça aurait suffi. Mais si on veut continuer à faire parce que l'opinion, effectivement, en avait fait la demande, parce que ça a été une demande publique, donc il faut faire une remise publique. Mais à un certain moment, vous allez être pris dans votre piège parce que l'opinion va devenir plus exigeante que ça. Ok, c'est voilà. Compris. Paul Mikirwamba, on va passer au second sujet très rapidement. D'accord. Cette colère du ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, après avoir visité le chantier de la route Gungin-Fada frontière du Niger en construction. Les travaux avaient été lancés un certain 19 septembre 2020 par le Premier ministre Christophe Dabiré. Et jusque-là, on ne voit rien sur le terrain, ce qui a certainement causé provoqué cette colère du ministre qui estime que cette lenteur dans le démarrage des travaux n'a pas lieu. Et est-ce que vous comprenez sa colère? Non, moi je ne comprends pas du tout la colère du ministre. J'aurais mieux compris la colère des usagers de la route, qui sont les victimes, j'allais dire, quotidiennes de cette route Gungin-Fadan-Gourma principalement, parce que c'est une route qui a été suffisamment médiatisée. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont parlé. Moi, personnellement, c'est vrai que ça fait plusieurs mois. Je n'ai pas pris la route, mais je suis au courant justement de l'état de la route grâce au compte rendu que les confrères ont pu réaliser. Donc aujourd'hui, si le ministre est en colère, peut-être que moi ça m'étonne, hein, parce que ce n'est pas la première fois que les chantiers sont lancés et que les délais d'exécution ne sont pas respectés. J'ai bien même envie de dire qu'au moins 80% des chantiers que nous lançons ces dernières années n'ont pas vu leurs délais d'exécution respectés. Alors pour le cas précis de Gungin, Fadan Gourmand, c'est vrai, les travaux ont été lancés lors d'une cérémonie avec le Premier ministre, les gens étaient contents et après, c'est maintenant que les travaux commencent véritablement, ça pose problème. Alors, rappelez-vous justement que il y a eu un certain nombre d'exemples que je peux donner. La route Kongoussi-Djibo, dont les travaux ont été lancés en 2016, en août 2016, et nous sommes aujourd'hui en 2021, le chantier n'est pas fini. D'ailleurs, le chantier est abandonné aujourd'hui. L'autre exemple, c'est Sakouense-Koudougou. On se souvient effectivement que le lancement des travaux de réhabilitation de ce tronçon a donné lieu justement à une cérémonie officielle présidée également par le Premier ministre. Le délai d'exécution, c'était 12 mois et aujourd'hui, les travaux sont en cours et les travaux sont loin d'être terminés. L'autre exemple également, c'est Manga Zabri, dont les travaux ont été lancés justement depuis 2017 et c'est récemment que les travaux ont été terminés, alors que le délai d'exécution, c'était 2 ans, 24 mois. Donc, les exemples sont lésions pour dire que... Voilà, qui est également ici à Ouaga, qui est un exemple, plus de 6 ans de travaux, et justement le mini échangeur de Ouagadougou. Donc c'est autant d'exemples pour montrer qu'on est habitué, nous, à voir justement des travaux se lancer, ensuite abandonner, les délais d'exécution ne sont pas respectés. C'est vrai qu'à chaque fois, on a trouvé des raisons pour justifier ça. Non, aujourd'hui, moi, je suis étonné que le ministre s'étonne de la lenteur des travaux, du fait justement que ça n'a pas été justement exécuté depuis donc le passage du Premier ministre. Donc ce n'est pas un exemple isolé. On est un peu habitué à ça et je crois que le gouvernement devrait travailler désormais avec les entreprises, les bureaux de contrôle pour faire en sorte justement que les délais que l'on donne pour la réalisation des travaux soient respectés parce qu'aujourd'hui ce sont les usagers qui souffrent beaucoup. Ceux qui prennent la route Ouaga-Fatan-Gourma peuvent en témoigner. Oui, Dabadi, c'est votre avis également qu'on est coutumier de ces retards dans l'exécution des travaux publics, des marchés publics, mais en même temps, on est un peu dubitatif par rapport à certains coups
de, en fait, coup de poing qu'on tape sur la table. Si table, il y en a même. Oui, bon, effectivement, il faut quand même dire que ce n'est pas nouveau, hein. C'est fréquent et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si ces dernières années, quand même, la situation s'est améliorée, il faut dire peut-être que le chiffre de Mickey est assez élevé quand il parle de 80%. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais quand même que la situation s'est beaucoup améliorée ces dernières années. N'empêche que la situation reste effectivement préoccupante. Alors, pour ce qui concerne l'axe Gounguin-Fada, il faut dire qu'effectivement, la lenteur constatée dans l'exécution des travaux de ce tronçon quand même pose un véritable problème. On comprend d'ailleurs la colère des populations. Le tronçon ne fait qu'autour de 83 km, mais pour rallier les deux localités, on peut y passer facilement 2 à 3 heures de temps à cause des déviations et des crevasses. Donc, il y a lieu effectivement de mener une réflexion sérieuse par rapport à l'exécution de certains chantiers. Alors, par rapport à celui-là précis, il faut dire que je pense que la colère des populations est légitime. Elle est d'autant plus légitime qu'il s'agit d'une voie hautement stratégique, il faut quand même le reconnaître. Voilà, cette nationale 4, elle est extrêmement stratégique et il ne faut pas oublier que la région de l'Est fait partie aussi des zones à fort défi sécuritaire. Et donc, il faut travailler à améliorer l'état de sécurité dans cette région. Au-delà de cette question sécuritaire, il y a effectivement que l'économie de cette région risque justement d'en souffrir davantage si on y prend garde. Parce que ça bloque pratiquement les activités des opérateurs économiques qui sont dans cette zone. Même ceux qui mènent le petit commerce, etc., les gens sont dans des difficultés. Donc, on a besoin d'aller vraiment vite. Et c'est peut-être à ce niveau qu'on peut comprendre la colère du ministre qui a promis effectivement de prendre ses responsabilités si effectivement l'entrepreneur ne fait pas, justement, ne tient pas parole. Je pense que l'État gagnerait effectivement dans cette affaire. Mais ce qui est un peu inquiétant dans les propos du ministre, oui. je peux le répéter, il dit que le démarrage des travaux est lent. La pression que nous avons mise sur l'entreprise a permis d'avoir un minimum de matériel qui permet de réaliser les déviations. Et j'espère que c'est un démarrage qui ne va plus s'arrêter. Et est-ce qu'on doit douter peut-être de la capacité technique des entreprises souvent à qui on confie? Alors, bon, je ne pense pas que ce soit le côté technique qui pose problème ici. L'entrepreneur a fait savoir qu'il a eu des difficultés pour acheminer son matériel au Burkina, parce que c'est un marché qui est confié à une entreprise étrangère, et elle dit avoir eu des difficultés pour acheminer son matériel au Burkina. Alors, ça, quand même, c'est un argument assez, à mon avis, léger, parce que lorsqu'on est quand même attributaire d'un marché, on doit prendre toutes les dispositions pour pouvoir démarrer les travaux, non seulement à temps, et pouvoir effectivement aussi avoir un rythme qui permet de respecter les délais. C'est d'autant plus important et nécessaire que cet entrepreneur, quand même, à mon avis, joue sa crédibilité dans cette affaire. Vous voyez la situation que ça crée. Les populations ont promis effectivement de manifester d'ici le 24 si rien n'est fait. Alors, c'est que le ministre s'est rendu dans la localité avec certains ressortissants. Alors, est-ce que les échanges qu'il y a eu avec les populations permettront, j'allais dire, d'étouffer cette manif qui est déjà. Mais la manif ne concerne pas seulement que l'État routier, il y a d'autres problèmes aussi qu'ils soulèvent et ils maintiennent tout à fait leur marche pour le 24. Justement, les gens maintiennent la marche justement parce qu'ils estiment que lorsqu'on a parlé effectivement de cette marche, on a vu que le ministre s'est rendu sur les lieux. C'est ça, en fait, qui a effarouché les populations. Elle ne comprend pas pourquoi elle crie, son ras-le-bol entre griffes, et malgré ça, rien n'est fait véritablement sur la route. Maintenant qu'on menace de marcher, on voit une délégation qui vient et qui essaie d'échanger avec les populations. Et ça, effectivement, ça peut mettre certains en colère. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre des mesures nécessaires pour faire accélérer les travaux. Parce que, comme je l'ai dit, l'entrepreneur aussi joue sa crédibilité dans cette affaire. S'il n'arrive pas à terminer... Il y a trois lots. Les lots sont confiés à trois entreprises. Oui. Il y a Citram, il y a Sorubat, tout à fait. Et puis il y a Yeli Technologie. Tout à fait. Voilà. Toutes ces entreprises, à mon avis, jouent leur crédibilité, mais à quelques niveaux, à quelques exceptions près, parce qu'ils ne font pas tous le même travail. Voilà. Mais le plus important, c'est l'entrepreneur, par exemple, qui dit qu'il n'a pas encore son matériel sur place, tout le matériel, mais il y a un minimum de matériel qui est là,
et que les équipements seront renforcés, aussi bien en moyens techniques qu'en moyens humains. Alors, si c'est fait, ça devrait permettre effectivement de donner un coup d'accélérateur aux travaux. Mais si effectivement c'est une promesse qui reste sans effet, eh bien, c'est clair que ça va poser un problème parce que les populations qui ont promis de manifester, elles ne vont pas rester là. Peut-être que la masse de 24 ne sera que le début de commencement, comme on le dit, d'une action plus grande. Donc je pense que aussi bien l'État que l'entrepreneur, chacun de son côté, à mon avis, a intérêt à ce que ce marché-là soit exécuté dans les règles de l'art et que, bon, on puisse quand même alléger la souffrance des populations. Oui. Hyacinthe Dabadi l'a dit, peut-être que c'est parce que, quelque part, quelqu'un a voulu protester qu'on a vu l'autorité sur le terrain. On n'en sait pas réellement. Mais ceci peut expliquer cela. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Puisque quand on a annoncé la marche, et finalement, on voit l'autorité débarquer pour, soi-disant, je viens pour une visite. Et se met en colère et finalement, face à la colère de l'autorité et la colère ambiante des populations, il y a quand même une légitimité. Justement, restons sur les faits. Le marché a été attribué en octobre 2019 à Sintram pour Gungan Fada. Le lancement n'a eu lieu qu'en septembre 2020, vous l'avez dit. Il a fallu attendre des manifestations pour qu'un communiqué du ministère des Infrastructures nous dise qu'avec l'entreprise, il y a eu une réunion et que les travaux vont effectivement démarrer le 22 février 2021. Une promesse qui n'a pas été tenu. Il a fallu attendre une nouvelle vague de manifestations avec une promesse d'une plus grande manifestation le 24 que vous avez évoqué pour que dans son programme de tournée de visite qui doit être normal dans un ministère, le ministre se dise il faut aller à l'Est et s'étonne devant l'avancée, si on peut appeler ça une avancée, devant le manque d'avancée des travaux. Je pense qu'il y a lieu en tout cas de se poser beaucoup de questions. Si on était dans un pays normal, des gens devraient rendre compte, que ce soit au niveau de l'entreprise Sintram, que ce soit au niveau du ministère des Infrastructures. Parce que là, on a l'impression, avec le pouvoir rock d'une manière générale, que pour se faire entendre, il faut crier. Tant qu'on n'est pas dans une logique de manifestation, de promesse de manifestation, on n'a pas de début d'action pour en tout cas satisfaire vos revendications. Et ça, je pense que c'est une méthode qui ne peut pas perdurer. La deuxième chose, c'est la région de l'Est. Dabadi a évoqué le fort apport de cette voie qui mène à Fada, qui peut nous ramener au minimum trois frontières. Et donc, lorsqu'on parle de cet aspect névralgique de ce taxe-là et qu'on voit en fait tout ce qu'il y a comme donne sécuritaire autour, on se rend compte qu'on n'a pas compris que la lutte contre les sécurités ne se limite pas aux armes et aux VDP. Ce volet est beaucoup plus important parce que justement dans la région de l'Est, et selon certains analystes, on parle plus d'insurrection locale que de terrorisme djihadiste. Et donc, ce sont des éléments qui concourent à radicaliser les populations locales. Parce que vous avez l'impression, un, que l'on se fout de vous, excusez-moi le terme, depuis la capitale. Deux, que vos revendications, on les règle au compte-gouttes, et c'est selon vos degrés de manifestation. Et de trois, véritablement, il y a un laisser-aller pour ceux qui sont chargés de soulager vos peines. Et donc, naturellement, il y a lieu de se poser les questions pour savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement faire aujourd'hui quand on parle de lutte contre le terrorisme de manière générale. Aujourd'hui, vous avez une région comme l'Est qui est véritablement dans le giron de la donne terroriste. Vous n'avez pas de route, Woba n'aime pas le terme, mais Gungan Fada, c'est une route sparadrap. Aujourd'hui, vous avez un tronçon qui est fini en 2020 de couper là à Gungan. Et vous avez un tronçon qui n'a pas encore démarré depuis la finition de l'autre tronçon de Gungan Fada qui est beaucoup plus court en plus. Il y a lieu, pour moi en tout cas, si vous voulez régler la situation, d'anticiper sur les plans. Ce n'est pas après coup que vous allez venir vous excuser et dire voilà, c'est la faute de l'entreprise. Il faut régler. Parce que au-delà, je pense, il y a ce sentiment que nous avons que tant que ce n'est pas Ouagadougou,
tant que ce n'est pas à l'intérieur de Ouagadougou, les choses ne se règlent pas aussi rapidement. Bien sûr, Paul Mickey a fait le tour des chantiers qui sont laissés à ciel ouvert. Il y a également Solenzo Kundougou qui a le même mouvement, début de mouvement comme FADA pour réclamer son effectivité. Autant de chantiers, et on ne va pas parler des chantiers du 11 décembre, qui se font lessiver par la pluie quelques mois après et qui sont aussi mal exécutés que mal attribués. Mais pour moi, ça dénote de la volonté réelle de régler certains problèmes, au-delà de la route. Parce que donc aujourd'hui, quand on dit on va prendre nos responsabilités, il y a lieu de se poser la question de savoir quelles responsabilités, puisque ces responsabilités n'ont même pas été situées dès le départ. Déjà, la responsabilité est partagée. Si une entreprise attributaire depuis 2019 n'a pas encore démarré les travaux en 2021, quel a été le cahier des charges signé avec cette entreprise-là avant de lui attribuer le marché? Quels sont les délais qui lui ont été donnés? On parle d'un chantier de 30 mois pour tout le lot. Quels sont les délais attribués à l'entreprise Citram pour rester sur Gungun Fada? Aujourd'hui, je pense que ce soit au ministère des Infrastructures ou que ce soit au niveau de l'entreprise Citram, il y a formellement des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Et comme je l'ai dit, si on était en tout cas dans un cadre plus ou moins formel et pas au Burkina, ça allait se régler d'une manière plus efficace. Oui, Boukari Wouba, est-ce que c'est votre avis également que peut-être on a comme l'impression, avec l'attitude de l'autorité, il y a comme une sorte de mépris à l'égard de certaines populations de l'intérieur? Oui, on peut le dire. Moi, aujourd'hui, je me pose la question si le ministère ne fait pas semblant, tout simplement, en s'emportant de cette manière, avec cette colère-là, comme si effectivement on était surpris. Je pense que le ministère, certainement, sait pourquoi les travaux n'ont pas démarré, et peut-être même que le ministère savait que les travaux ne pouvaient pas démarrer. Le lancement des travaux a eu lieu le 19 septembre 2020, donc récemment. On était pratiquement à l'ouverture de la campagne présidentielle, peut-être sachant que manifestement on ne pouvait pas démarrer les travaux, on a quand même voulu lancer les travaux juste avant d'entrer en campagne. Vous savez que ça peut avoir des dividendes politiques au niveau électoral surtout. Donc on fait le lancement tout en sachant qu'effectivement tout n'est pas encore réuni pour que le chantier puisse démarrer. La preuve est qu'aujourd'hui, plusieurs mois après, le chantier n'a pas encore démarré. Et ce qui fait surtout mal, c'est de voir que l'autorité peut donner sa parole qui n'est pas respectée. Yassine l'a rappelé, il a été dit entre-temps que les travaux vont démarrer le 22 février. Et coïncidant des situations, moi j'étais à FADA dans cette période-là et j'espérais effectivement trouver des engins sur la route, mais rien. Entre mars à avril aujourd'hui, j'ai fait 3 fois aller-retour l'axe Ouagadougou-FADA, mais je vous dis, c'est le calvaire. Les images que vous voyez, ce n'est pas du tout inventé. Il n'y a pas de route. Pour aller à FADA, vous préférez laisser effectivement le goudron et puis rouler dans les champs. Si, parce que le goudron, il n'y en a pas justement. Donc vous préférez laisser ce qui est censé être la voie là pour rouler dans les champs. Que ce soit les véhicules personnels, que ce soit les camions de transport de marchandises, parce que les uns et les autres l'ont dit, c'est une route communautaire qui mène vers 3 frontières. Donc elle est très empruntée par des gros camions, même étrangers, et que malheureusement, il n'y a pas de voie. Et on est bientôt à l'entrée de la saison des pluies. Et je me demande bien à quel moment ces travaux-là vont commencer et quelles sont les voies de déviation qu'on va pouvoir faire en saison pluvieuse avec des aujourd'hui, parce que pour aller à FADA, il faut passer par des ponts. C'est-à-dire que vous laissez la route et vous entrez dans les ponts parce qu'il n'y a plus d'eau. Vous entrez dans des barrages pour traverser. Lorsqu'il va pleuvoir, vous allez passer par où? À quel moment est-ce qu'on va faire cette déviation-là? Donc, je suis sûr que lorsque les pluies vont commencer à tomber, cette région-là va être coupée du reste du monde. Ça va être difficile de se rendre à FADA. Donc, à supposer même que les travaux démarrent aujourd'hui, je crois que ça va être très difficile. On a donné 30 mois, je crois, donc c'est pratiquement 3 ans pour finir ce chantier, parce que c'est pas seulement Gungun Fada, c'est jusqu'à Kankari, frontière du Niger, donc c'est l'ensemble du tronçon, comme ça, 218 km environ, ça ne va pas être une mince affaire. Donc, véritablement, je crois que l'autorité a intérêt à prendre au sérieux cette question-là, qui n'est pas une affaire des ressortissants de l'Est, même si aujourd'hui, effectivement, ils sont en train de manifester, d'exprimer leur mécontentement, ce qui est tout à fait normal. Je crois que c'est surtout lié effectivement à ces rendez-vous manqués là, le fait d'annoncer de ne pas respecter. Et on l'a dit ici, j'étais très étonné de voir qu'effectivement le 15 avril, le ministre a fait une tournée dans la région. Il est allé à Bougandé, il est allé à FADA, ainsi que dans d'autres localités.
Et il y a une avalanche donc, de publications sur la page Facebook personnelle du ministre des infrastructures qui annonce « Ah, j'ai rencontré telle personne, j'ai rencontré telle structure et que les travaux par-ci sont à tel niveau. » Et pourtant, sur le terrain, il n'y a rien véritablement. Donc, je crois qu'il faut que le ministre se réveille. Il faut que les entreprises attributeurs aussi se mettent à la tâche parce que c'est très important. Oui, Paul Mikiroumba, donc pour vous également, comme pour Boukari Ouba, arrêtons de discuter, commençons les travaux et le reste on verra. Tout à fait. Alors moi j'ai remarqué malheureusement qu'au Burkina on aime plutôt les grandes cérémonies de lancement des travaux. Et c'est ça qui rattrape aujourd'hui les autorités et c'est ça qui justifie de mon point de vue que les populations décident de manifester lorsque les promesses ne sont pas tenues. Je pense qu'on en fait trop hein, parce qu'on aime beaucoup les grandes cérémonies, on lance les travaux, on amène le Premier ministre, quelquefois le chef de l'État et après les promesses ne sont pas tenues. Je me souviens du lancement des travaux en 2016 hein, avec l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba de la route Djibo-Kongoussi. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même emblématique. Hein. À l'époque, le gouverneur Hyacinthe Yoda de la région de Sahel, Peggy Yoda, oui, de la région du Sahel, et disait exactement que cette route avait été promise par le gouvernement précédent, c'est-à-dire l'ancien régime, et que ça n'a jamais été réalisé, et que ça sera réalisé sous le régime de Rochma Christian Kabore. C'était en 2016. Nous sommes en 2021, ça fait 5 ans. La route n'est pas réalisée. Donc aujourd'hui, quand je prends cet exemple-là, la cérémonie grandiose à laquelle a participé le chef de l'État avec le Premier ministre Paul Kabatieba, et après, il n'y a pas de route, je ne sais pas ce qu'on dit aux populations. Aujourd'hui, je crois qu'il faut peut-être limiter la propagande, la démagogie qui vient, et bien souvent, avant justement les travaux de réalisation des routes, et puis aller droit au but. Peut-être l'inauguration, là, je suis d'accord, puisque c'est déjà fait. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça, d'ailleurs, que les populations, lorsqu'elles attendent, elles ne voient rien venir et décident justement de manifester. Je comprends effectivement cette attitude. Et je pense, comme Yassine l'a dit, quelquefois, il faut qu'il y ait cette pression pour que les choses se réalisent. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que le ministre Éric Bougma aurait fait cette visite dans l'Est du Burkina s'il n'y avait pas cette menace de manifestation le 24 avril? Oui, Yassine, ça nous... Non, mais les cérémonies de lancement grandiose, je pense que le courrier confidentiel nous a donné un début de réponse. C'est dû au fait, naturellement, que certainement certaines choses sont payées par l'entreprise elle-même. Le courrier confidentiel a bien relevé les poches qui étaient payées par l'entreprise elle-même qui a le marché. Et donc, finalement, vous posez certaines questions sur le bien fondé de ces cérémonies de lancement-là et comment vous pouvez mettre la pression sur une entreprise qui a dépensé des millions pour une cérémonie de lancement, lorsque vous savez, qui n'a même pas d'abord le matériel qu'il faut pour lancer les travaux. Donc, il y a tout ce questionnement-là qui se pose, et comme je l'ai dit, qui malheureusement ne concourt pas à ce qu'on sache qui est responsable et qu'on ait en tout cas une personne qui est, parce que c'est en tout cas un financement de la BAT, si je m'abuse, pour ce qui est du tronçon Ogungun Fada. Et donc, il y a forcément le contribuable burkinabé qui doit avoir et regard sur ce qui est fait de sa contribution. Mais ensuite, sur ce plan, il y a le volet manifestation qui sont souvent vus comme des manifs régionalistes. Voilà, c'est les gens de Fada qui manifestent pour avoir leur voix. Et ça, c'est une erreur pour moi. Parce que ce n'est pas que les gens de Fada qui roulent sur cette route-là. Il y a toute l'Afrique de l'Ouest qui va donc passer par là. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question, il faut penser justement le Burkina comme hub, le Burkina comme plaque. Aujourd'hui, on est en train de perdre tout ça et ça va au-delà de la seule localité de Fada, de la seule région de l'Est, au-delà de l'aspect sécuritaire que j'ai parlé, ça va développer économique du Burkina. On a juste 5 minutes pour clôturer avec cette émission. Boukari Ouba, si vous le permettez, un mot sur le Mali où les élections présidentielles et législatives se tiendront en février et en mars 2022. Et donc les 18 mois de transition que la transition militaire a promis va se clôturer certainement à cette période. Est-ce que vous croyez à des élections transparentes, d'autant plus que l'organe de transition est dominé par des militaires? On est obligé d'y croire. Ils se sont imposés depuis le début et ils sont encore là. Personne n'a pu les déboulonner. Donc, c'est eux qui ont les manettes. Et puis, bon, voilà, ils sont à tous les postes de commandement. Il faut déjà dire, heureusement, qu'ils ont sorti finalement ce calendrier-là et qu'ils entrent aussi dans les délais des 18 mois qui leur ont été imposés. Il ne reste qu'à espérer qu'effectivement, on puisse tenir le délai. Le Mali est...
ne dira pas coutumier des transitions, mais tout est tel qu'ils ont déjà connu une transition il n'y a pas si longtemps, c'était 2012 à côté, et que les choses ne s'étaient pas forcément très bien passées entre-temps. Pour cette fois-ci, on a l'impression que même si des gens ne sont pas contents, ils se disent l'essentiel c'est d'aller aux élections. On espère qu'effectivement ils vont pouvoir respecter ces délais-là, qui est de tenir plusieurs élections à la fois. Il y a un référendum constitutionnel. En octobre, oui. Voilà. Ensuite, il va y avoir les élections couplées présidentielles et législatives, et puis ils vont terminer après avec des élections locales. Donc, c'est beaucoup pour le Mali, mais c'est un pays avec des grands hommes. S'ils s'asseyent et qu'ils se comprennent, ils vont pouvoir effectivement relever le challenge pour remettre le Mali véritablement sur, sur la voie constitutionnelle. Voilà, on va s'arrêter là pour le débat de presse d'aujourd'hui. Débat de presse qui s'est réalisé dans des conditions de journée porte ouverte de la télévision du Burkina, notamment les premières éditions de cette, la première édition de cette journée qui a débuté vendredi dernier. Et je voudrais certainement, avant de clôturer cette émission, rendre hommage à tous ces chroniqueurs qui viennent tous les jours que Dieu fait et dont on a besoin chaque fois nous éclairer par rapport à l'actualité décryptée, notamment débat des presse ou encore d'autres occasions. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTB, vous rendre tous hommage et certainement que des voix plus autorisées vous transmettront notre gratitude de toujours nous accompagner et nous espérons compter sur vous également pour d'autres chantiers. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à tous les autres qui viennent à ces échanges et qui nous aident tous les jours à animer nos débats et nos analyses. Voilà, c'est tout pour le débat des presse d'aujourd'hui. À dimanche prochain pour un autre débat des presse. Au revoir et à bientôt.